Bonsoir, bonsoir, Monsieur Pierre-Philippe Agnan, et candidat à la présidence 2022. Et nous bien contents de gagner avec nous dans l'émission Chita Causé à Soya. Moi, salut, monsieur Ordal, et je suis bien content, ensemble avec vous, à soir en tout. Et je salue tout le monde qui m'a dit à soir. Ok, d'accord. Émission Chita Causé, son émission qui fait paraître objectif là, c'est pour nous bailler la jeunesse là, on voit, pour être capable de gagner un espace pour yo parler et puis faire débat politique et économique. Et sujet nous à soir, c'est élection 2021-2022, la fête là. Et nous bien contents, gagnons comme premier invité, nous, dans le cadre des types de émissions ça sur l'élection qui va venir. Alors, bienvenue encore. Bon, moi salue encore Monsieur Andrade, mais moi bien apprécié que sujet que vous considérez à parler de l'élection. Mais je pose une question ça. Est-ce que le moment propice, je dis pendant que géré, surtout nous-mêmes en Haïti, nous remercions bon Dieu que nous avons cadre de prévention à travers la pandémie COVID-19, coronavirus. Est-ce que je dis c'est le meilleur moment pour nous parler de l'élection? Parce que je pense que c'est un petit autre bagaille que de te parler. Mais nous sommes capables de l'élection, mais moi, c'est que nous avons trouvé notre priorité tout le moment. Non, oui, d'accord, voilà. Alors, sujet, c'est pas élection directement, non, mais sujet, c'est actualité politique et économique. Yo. Mais nous, bien content, gagnons en tant que yon candidat et pour président. Et parce que nous connaissons que l'élection est pour venir quand même, mais en pile, moun pou ko déclarer, yo, mais ou même ou getan déclaré bonheur, c'est ça qui fait que nous t'es intéressé, gagnons ensemble avec nous. Eh bien, bon, pas de problème du tout. J'en dis hein, que moi, bien content avec nous tous. Et nous, nous avons parlé d'actualité. Hein. Moi, je suis disponible pour que vous posiez des questions. Que nous avons parlé de situation pays, nous. Parce que je dis, nous connaissons, avant COVID-19, pays, nous sommes pays qui sont déjà malades. Parce que nous connaissons que le pays d'Haïti, son pays, dans le moment, ça, qui pas dirigé. Mais je dis, nous encore. Nous avons le coronavirus, et ça seulement nous a dit, tout le monde, surtout quand vivant en Haïti, coronavirus, son pandémie qui est réelle, et nous même en Haïti, ça seulement nous a fait, nous avons remercié, mon Dieu, que nous avons la même situation avec aux États-Unis, Canada, France, Italie, tout notre grand pays, même là, voisin nous phénomène, même nous avons mouru là. Mais nous-mêmes, grâce à Dieu, jusqu'à présent, nous avons un cadre de prévention. Et si nous avons resté notre cadre de prévention pour ne pas aller dans la situation de l'autre pays, je veux dire, on va nous protéger tête, nous. Et ça, si on protège tête, nous, ça a été la carrière, la carrière, mais nous connaissons la situation économique du pays. Pas faire ça possible pour la majorité du peuple, la majorité de masse du peuple, parce que le meilleur business de jour en jour, mais au moins, on suit toute consigne MSPP, surtout responsable médical, le papa j'ai avec nous en Haïti. Et en même temps, nous avons salué tous Haïtiens comme dans l'étranger, pas seulement nous-mêmes, nous avons prié pour eux, surtout ça, dans l'état de New York, parce que New York a fait en pile, aux États-Unis. Et nous souhaitons que tôt ou tard, que bon Dieu, qui baille science, pouvoir, puis on a venu avec une solution, puis on a contrôle pandémie. Ça, parce que ce n'est pas pour la première fois sur la Terre que nous avons le moment d'arrêt, mais nous connaissons, génération pas noire, c'est la première fois que nous ne faisons pas carré à un ennemi qui vraiment frappe nous comme ça. Et c'est là nous, je veux dire, mais nous connaissons pays nous, Haïti, son pays malade. On a, on va pas dire, monsieur Andrade, vous êtes content avec nous là. Ok, d'accord. Mais ou appeler pour candidat à la présidence, mais il y a plein de monde jusqu'à présent qui peut familiariser ou yo ensemble avec vous. Est-ce qu'on peut parler nous, un petit classe, brefement, de vous-même, carrière académique et professionnelle?
Bon, encore, nous sommes nouveaux leaders sur le terrain. Nous connaissons que la popularité, hein, c'est construire, construire. Et j'aime dire là encore, c'est qu'on y en a construit tête nous et dans le pays. Hein. Mais je vais vous balancer exactement même, si on vous en est pas au point. Et nous sommes primaires, je m'en ai dit, nous faisons 6e secondaire collège canado haïtien. Maman, c'est mon Jérémy Godot, papa, c'est mon AKR. Ok, très bien. Mais de 1984, juillet 1984, nous sommes aux États-Unis. C'est là que nous faisons plus que 23 ans aux États-Unis, surtout dans l'état de Connecticut. Quand est-ce que c'est là que nous faisons secondaire, nous, high school, nous? C'est là que nous faisons universitaire, nous? Et nous avons donc ensemble, moi, étudié en premièrement comptabilité, comptable. Okay. Mais nous sommes experts en finance, en gestion, mais nous plus voilà, entrepreneuriat, leadership, et nous faisons cette politique théorie. Mais après 23 ans aux États-Unis, mon Dieu, c'est réalisé avec moi, côté conditions de réunies pour moi économiquement, avec vision que nous avons politique, rêve, vision, nous avons politiquement, nous faisons réaliser avec nous, côté que depuis en 2007, nous retournons. Permanent, nous retourner la caille. Okay. Ça veut dire que nous avons plus que 15 ans sur le terrain en Haïti, côté que nous construisons un nouveau leadership. Et le nouveau leadership que nous construisons, c'est avec la jeunesse haïtienne, ensemble avec les Haïtiens vivant à l'étranger. Oui, c'est bien. Je veux dire moi-même, pour une femme en tant que candidat, est-ce que nous avons plus que 23 ans en vie de la diaspora, ça veut dire que nous comprenons. D'où l'Union haïtienne comme dans l'étranger. On est vraiment vrai, les quitter le pays et aller dans notre pays, je connais pas la caillou, et à chercher la vie meilleure. Mais nous, tous les rêves, nous, un jour, pour nous retourner la caille, nous font différence. Ce bon Dieu peut permettre de réaliser les rêves. Ok, d'accord. Mais pendant mes 13 ans haïtiens, pendant 13 ans, c'est côté que nous réadaptons, nous réintégrons nous dans la communauté haïtienne en Haïti, côté que nous comprenons d'où la jeunesse haïtienne. Parce que nous-mêmes, nous héritons même pays. Nous avons une jeunesse qui a pile fougue, qui croit dans le pays. Ce n'est pas tout qui a quitté le pays, le Chili, aux États-Unis, à la France, au Canada. Mais il y a qui restent pour une raison ou l'autre, ils ont été dans le pays. C'est ça pour nous-mêmes, second par nous. 27 millions de dit liberté ou la mort, mais nous-mêmes nous disons changement ou la mort. Ok. Oui, c'est mariage ça. C'est mariage ça nous-mêmes. Nous promener pour qu'il fait. Mariage, ça, c'est la jeunesse ensemble avec les Haïtiens vivant à l'étranger. Que nous sommes la diaspora, que pour nous vraiment mettre le pays nous sur rail de développement. Ok, c'est très bien, c'est très bien. Et je vais poser une question que d'habitude, je toujours demande à tout candidat. C'est pour qui ça au candidat et pour qui ça pense que c'est vous-même qui t'a supposé joindre votre peuple. Parce que l'on va dans l'élection en tant qu'un candidat, c'est parce qu'on pensait que c'est vous-même qui a fait un plus bon travail parce que tout l'autre monde. Pour qui ça que vous pensez que si l'élection t'a fait d'année ça par exemple, que le peuple t'a supposé voter pour vous et puis pour pas voter pour l'autre monde? Bon, moi j'apprécie la question là en ville. Et c'est une quoi? C'est une raison moi-même qui a fini Agnan. Nous vous disons que moi-même, je considère que moi suis un politicien. Mais avant tout, je suis un leader. Non leader qui croit, nous croyons en bon Dieu et nous croyons en tête. L'objectif que nous connaissons en Haïti, ensemble avec diaspora, c'est pour nous construire un leadership collectif. Parce que chaque Haïtien son leader que nous-mêmes, nous l'avons aidé pour nous construire. Parce que le pays n'a pas besoin de sauveur. Son équipe que nous avons construit. Oui, et mon papa est avec vous. Je dis à moi-même, moi déjà un candidat, raison pour laquelle c'est parce que je fais partie de la première élection qui a fait la diaspora. Ok, d'accord. Qui est à travers une structure qui est le MCU, Mouvement pour une candidature unique. Ok, qui a sorti dans la diaspora. Mais par contre, au courant de mouvement, ça. Non, nous ne sommes pas au courant de lui, non. Ok.
mouvement ça il a peine prend l'essence mais année passée nous à peine d'abord nous fait deux sorties déjà dans la presse nous faisons point de presse 28 février hein, nous avons fait premier lancement nous conférence de presse dans Marriott Hotel Port-au-Prince 28 février qui se passe là et MCU mouvement pour une candidature unique qui est objectif là parce que nous-mêmes la diaspora les Haïtiens vivent à l'étranger. Fois ça, nous, et que nous ne pouvons pas que les politiciens haïtiens ne seulement pensé avec nous, mais ils ont besoin d'argent. Alors, nous sommes là, nous voulons transférer, nous voulons transférer, nous voulons corps, mais politiquement parlant, nous écartons nous en payant. Nous n'avons pas de pouvoir politique, diaspora. C'est ça que nous faisons nous-mêmes, à travers MCU. Nous sommes initiateurs, nous responsables MCU. Monsieur Stanley Germain, qui habite à Paris, en France, qui prend l'initiative là, c'est côté que, il identifie plusieurs citoyens haïtiens qui ont évolué dans la diaspora. Donc, moi-même, depuis que 23 ans aux États-Unis, ça veut dire qu'il y a des années, je me consulte en tant que candidat. Et, Jean Moulin, moi-même, nous avons regroupé tous les citoyens qui ont des objectifs pour être candidat à la présidence. Qui sortit dans la diaspora, ils ont organisé nous dans MCU, ils ont organisé leur première élection. Pour le moment, nous avons six potentiels candidats. C'est moi-même, Pierre-Philippe Agnan, nous avons M. Hansi Jean-Louis, qui habite au Canada, nous avons M. François Tunier, qui habite au Connecticut, nous avons M. Henri Mirac, qui habite au Texas, nous avons Dr. Edouard Séjus, qui habite en Floride, et nous avons M. Robert Sechler qui habite au Phoenix, Arizona. Tout M. Sayo, nous sommes les citoyens haïtiens, nous la diaspora, nous levons la diaspora, nous consacrons la diaspora. Mais nous tout aimons le président. Ça veut dire que nous, raison que MCU prend naissance, c'est parce que nous parlons des ordres d'une certaine côté que 8, 10, 12 candidats rentrent en Haïti, de toutes sortes de la diaspora. Je ne vois pas tous ces candidats de la diaspora, mais ça bat à la faiblesse. Ce qu'on a fait, nous réunissons à travers MCU, puis organiser une première élection, puis désigner nos seuls candidats officiellement qui doivent représenter la diaspora haïtienne dans la prochaine élection en Haïti. Ok, c'est la bataille qui est première avant tout. Ok, c'est une très très belle initiative et m'applaudis l'initiative ça en pile parce que j'en dis à des fois, par exemple, les dernières élections, nous avons 70 candidats, des fois, les trop. Tu comprends? Oui, vraiment apprécié ça, mais en question que je me pose sur ce domaine, ça, est-ce que les gens qui passent dans l'élection primaire là, d'ailleurs, qui ont l'élection primaire là, pour le fait, est-ce que c'est les gens dans la diaspora qui ont voté ou bien les gens qui sont dans la structure là qui ont voté? Et moun ki passe ya, est-ce que l'autre a marché derrière elle pour yo comme candidat unique? Moi, après cette question-là, mais monsieur Anglade, vous connaissez, nous-mêmes les Haïtiens, et nous toujours bien commencé, mais vous connaissez qu'en pile là, parole toujours belle, mais mettez la pratique sur l'autre bagaille. Pour quelles raisons du ça? C'est parce que c'est la réalité haïtienne, non? Mais, sur ça que nous d'accord, nous tous signons un choc. Objectif-là, c'est. Vraiment vrai, objectif-là, c'est pour nous. C'est objectif-là, ça compte que pour première élection, hein, à fait, côté que candidat désigné, hein, pour tout le candidat, yo, à supporter. Candidat yo désigné. Mais encore, j'en dis là, nous tous ces haïtiens, nous tous ces leaders, vous connaissez des pays haïtiens, il y a un set qui fait du président, pas de monde qui a campé dans l'outil. Ça veut dire que c'est ça nous signer, c'est sur ça nous d'accord. Okay. Mais, en même temps, tout, nous tous d'accord, tout, laisse ça fin fait, yo désigné candidat, l'autre candidat, yo, ça dépend de eux-mêmes. Il n'y a qu'à faire choix. Mais objectif, c'est pour
supporter candidat désigné, MCU lui-même pour accompagner candidat désigné. Ok, d'accord, d'accord, c'est bien. Et ça, pour nous, moi-même, je pour les batailles, ça, pour les batailles par moi-même, c'est pour nous gagner la première élection, ça, pour nous vraiment prendre jeunesse que nous gagnons en Haïti, hein, pour que nous fassions plus de travail avec eux, au niveau économique, social et politique, pour nous renforcer diaspora, pour nous mettre ensemble, pour nous bien agir bataille dans la prochaine élection en Haïti. Ok, d'accord. Nous-mêmes sommes leaders et c'est construit notre leadership. Ok. Alors, pour le monde qui fait que je nous là, nous avec M. Pierre-Philippe Agnan, qui est candidat pour président élection 2022, en baillant structure qui est le mouvement pour un candidat unique qui sorti en dans votre diaspora haïtienne, haïtien qui vivent en France, Canada, États-Unis et tout partout. Alors, M. Agnan, et nous allons changer de sujet. Hein? Nous allons parler de politique anti-crasse. Nous avons même demandé est-ce qu'il soit pensé de gens que monsieur a géré pays actuellement passé ou appelé pour remplacer le président Jovenel Moïse. Et nous connaissons que PHTK quand même l'a voué un candidat. Et si c'est à vous même qui t'a passé pour MCU. Est-ce qu'on satisfait de performance ou est-ce qu'on satisfait de gens qui dirigent le pays actuellement? Monsieur Anglade, je pense que nous tous ici aujourd'hui, nous avons un pays qui marché. Le pays nous parle de dirigeants. Et dommage, l'équipe PHTK, mais quand même, il n'y a pas de résultat. Mais nous voyons que Haïti, je dis, hein, pour moi-même, je dis, mais Haïti, bon, c'est un système. Le système, nous vient dans le pays d'Haïti, il est la corruption. Et corruption en Haïti, c'est plus gros handicap développement de notre pays. Surtout un pays qui est un monde, comme un pays panouan, Haïti. Et nous avons deux acteurs sur le terrain. Nous PHTK et allié avec le président Jovenel Moïse, qui est en tant que représenté en tant que président de la République, quand j'ai le pouvoir. Et nous avons ensemble des oppositions qui, majoritairement, je sais, nous avons le temps pour Racine Lavalas. Je dis que nous avons deux équipes qui sont sur le terrain. Et nous avons que vraiment vrai, et nous avons fait comme un mandat. Président Michel Joseph Martelly, vraiment voué, nous avons eu le côté succès. Mm-hmm. Et nous, jusqu'à présent, président Jovenel Moïse, pendant le mandat là, mon cher, paysan vraiment voué, du presque invivable. Mm-hmm. Dans toute façon, au niveau sécurité, au niveau économie, quand il aujourd'hui, on a besoin de dollars américains, en dollars américains, égale à 100 goudes. 100 goudes. 100 goudes pour un dollar américain. Et nous avons dit ça, oui, il faut payer la sécurité, oui, il faut payer la force de conditions réunies pour que les gens viennent investir. Mais la seule façon, dans le cas, frapper tout le groupe de frapper américain, il faut nous faire produire des productions nationales. Mm-hmm. D'accord. Et c'est pour les façons. Mais je veux dire, politiquement parlant, nous connaissons que toute politique traditionnelle, nous avons dit que le choix du pays d'Haïti, il y a des choix peuple haïtien. C'est une raison aujourd'hui en nous-mêmes. Nous rentrons dans la bataille. Nous rentrons dans la bataille changement. Côté que, pour tout haïtien la donne. Mais, c'est deux groupes qui nous identifier parce que c'est eux-mêmes qui, deux forces aujourd'hui, hein, qui excluent le pouvoir politique pays. Hein. Mm-hmm. On a parlé de la jeunesse haïtienne. Jeunes qui est foudre, qui a l'université, qui a l'apprendre, qui est intelligent. Mais dommage, il n'y a pas de encadrement en Haïti. Il n'y a pas de opportunité. Il y a un changement. Mais dommage, parce qu'en Haïti, à l'école, à apprendre un métier. C'est un travail, jouer un job, c'est l'autre travail. Okay. Malgré les jeunes, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas d'opportunité. Il y a plus que présenter, il y a une ressource humaine, parce que le pays, c'est sa forêt, nous voulons des mariages, ça fait. Les Haïtiens vont à l'étranger, la diaspora. On exclut tout. Mais je dis,
nous voulons que nous mêmes pour prendre cette bataille là. Pour n'attaquer pour tout le monde, pour n'attaquer pour paysan yo. Pour n'attaquer pour secteur privé, que la bourgeoisie, tout le monde concerné, mais pour nous tous d'accord pour nous dire Haïti d'abord, Haïti avant tout, c'est pas intérêt personnel. Parce que je vous dis, regardez, mandat Jovenel là, l'objet opposition qui vient par chute avec pouvoir, et tandis que tout le monde politique, parce que les politiciens, ou appelé pour faire du pays, ou appelé pour préfecture pour faire haïtien. Sauf si deux mondes qui préfecture au pays, ils ne parlent pas ensemble, ça veut dire que pas de solution. Mais je dis, nous tous déjà connaissons que nous pouvons aller vers une transition. Ok, ok. C'est tout ce que nous allons parler. Ok, nous pas prêter trop sous ça non, mais lors de nous aller vers une transition, vous pensez que le président pas fini mandat là? Bon, personnellement, moi-même, analyse que je fais, et ça nous pouvons voir qu'en fait, et je pense que. Allô? Call is being routed by Google. The cost of this call is 26 cents per minute. Oui, monsieur, regarde, moi de retour, c'est communication coupée. Oui, appel là découpé. Oui, oui, ou t'as oui. Dit que oui. Son pensée qu'à privé. Dans la ville, c'est quand? Mandat Jovenel là, bon c'est coronavirus, parce que assuré que jeudi 7 février 2022, pour moi personnellement, bon c'est Jovenel là, c'est un mandat là. Mais bon, c'est pas ça qui est important pour nous-mêmes. C'est pas ça qui est important pour nous-mêmes. C'est un mandat, Jovenel, c'est un mandat, bon, ça c'est président. Mais ça qui est important pour nous-mêmes, il y a le temps pour commencer à réfléchir à l'avenir du pays d'Haïti. Parce que jeudi Haïti, c'est presque invivable. Ok. Presque invivable. Surtout au niveau sécurité. Parce que je vous dis, on regarde les gens qui vivent dans la troisième circonscription, zone Matissan, zone Bicentenaire, village de Dieu, en tant que zone, et en Croisou, l'État va aller bien à Mountaire. Oui, c'est ça. Avec du coup, ils ont bloqué la zone là, les gens ne passent pas la donne. Avec Dieu, yo lève deux mains, yo va aller gain. Ouais. Tandis que c'est l'État, oui. Parce que je dis en nous carouin, c'est bandit illégal qui établit ce territoire pays d'Haïti. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que personnellement, moi-même, moi, c'est que c'est pas une séquence, c'est pas une question de séquence Jovenel pour nous réfléchir. Nous pensons que je dis, priorité nous, je dis, c'est pour nous gérer la vie des haïtiens avec COVID-19. Coronavirus, ça c'est priorité nous. Mais qu'on y en pense que ensemble des politiciens, des leaders politiques, demandent que qu'on commence à réfléchir après 7 février 2022. Ou bien n'importe le, ils ont dit, ils ont décidé que pour mandat président Jovenel l'a terminé. D'accord. Il faut déjà réfléchir de ça parce que pays nous beaucoup parler pour élection. Faut que des étoiles pour qui fait, pas que mal qui fait, mais c'est nous-mêmes les Haïtiens, c'est nous-mêmes les leaders politiques haïtiens pour qui commencent à chiter ensemble, pour nous commencer à réfléchir de l'avenir des Haïtiens. Parce que l'île est le temps pour blanc, c'est pas eux-mêmes qui viennent poser nous, ils ont monde, ils ont bagage. Mais si nous pas, nous-mêmes Haïtiens, nous pas d'accord pour chiter ensemble, pour nous négocier situation pays nous. C'est blanc, laisse à blanc venir imposer. Ok, d'accord. Oui, m'da me mando, et si nous avons un gouvernement président Anian, qui ça qui tape top priorité pour vous et en termes de développement économique? Qui sous qui soit tapé concentré? Bon, nous connaissons que par exemple, possible dans le pays,
si pas de sécurité. Parce que nous connaissons Haïti, son pays, nous besoin des investissements. Et c'est une raison. Nous identifier une côté que, parce que nous besoin un gouvernement en Haïti, en l'État, pour qu'il commence à investir dans le monde. Ce n'est pas un état d'argent, mais pour investir dans le monde d'abord. Mais pour faire ça, il faut identifier côté nous gagne monde, côté nous gagne haïtien. C'est une raison nous commençons cette bataille là avec les haïtiens vivant à l'étranger. D'accord. Yeah. Parce que si on calcule combien haïtiens quand vivent à l'étranger. En pile, puisque 4,5 millions de monde haïtiens quand vivent à l'étranger. Ouais, et majorité dans yo, si pays a des sécurité, pays a couvert 24 sur 24, des routes. Conditions réunies, yo ka vin vivre, vin investir, vin travailler. En pile là de retourner. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que ça alimente son force que lié, son force économique. Son nous besoin des investisseurs. Et des investisseurs là, oui, nous gagne diaspora les Haïtiens du étranger parce que yo représente presque la classe moyenne en Haïti parce que classe moyenne presque pas existé en Haïti physiquement parlant. C'est diaspora qui remplace yo. Oui, transfert yo qui évalue à peu près 3 milliards par année. Mais qu'on y a là, ouais, même là, les 3 milliards par année, pour moi-même, that's like a drop in the bucket. Ça veut dire que ça sorti, ça sorti là, c'est petit que lié, si n'a pas chiffre. Parce que majorité, nos 3 milliards, pas près 5 milliards que diaspora a volé. Vraiment, vous, monsieur Andrade, il y a les consommations. C'est côté que mon avoué cobaye petit li ba madame li ba ménage li ba un cousin ba un frère. Oui, ça c'est pas de consommation, mais ces conditions réunies même bien pour ça au carré ça fait investissement dans pays. Oui, c'est ça. Connait si on fait investissement connait. Nous on parle de 3 millions, nous on parle de 3 7 millions encore. Nous on parle de 15 20 millions. Tu comprends moi? D'accord. Ça veut dire que et en Haïti aujourd'hui, hein, nous avons un problème capital. Nous avons un problème capital. Pays n'a pas gagné l'argent là-dedans. Même si petit contre, n'est qu'il y a l'État, à gérer l'affaire personnelle, à faire la corruption. Mais nous avons des mauvaises gestions dans l'État. Mais en même temps, tout, pays a un problème capital. Okay. Ça veut dire que et nous-mêmes, nous-mêmes, visons pas moi-même, personnellement, en tant que leader, en tant que candidat président. Dis-le à l'État pour appliquer une politique de création de richesse en Haïti. D'accord. En création de richesse, côté que, qui nous pauvre dans le classement, ou nous avons déjà des comptes déjà, il faut que tout le monde a construit richesse. Yo. Même si on le fait dans un pays développé. Ça veut dire que, les gens qui ont des comptes blancs, il faut qu'ils investissent pour créer du travail. Laisse les gens qui sont en bas lui-même. Il y a une opportunité pour le vendre travail, pour qu'il construise chef lui. Oui, c'est ça. Et nous mettons... Oui. Et Kouniam Dar m'a parlé de l'actualité actuellement là, coronavirus qui a un petit problème dans le monde, il y a une pandémie qui presque dans tout pays sur la terre, et il arrive en Haïti actuellement là, je pense que nous avons 31 cas et 2 morts. Et nous avons besoin qu'on ait qui opinion sur réponse gouvernement à la pandémie ça. Est-ce qu'on satisfait de gens qui ont géré la pandémie? Bon, ça seulement, personnellement, moi-même, en tant que citoyen haïtien, nous identifions que c'est un gros bouvet en moment ça. Nous connaissons que il y a deux forces, et force dans lui-même, c'est Dieu et la science. D'accord. Ça veut dire que ça fait deux forces comme bataille. Et parce qu'en pile, le sont vrai. Ou un monde qui connaît le bon Dieu, hein, mon nom, il baille la science valeur, mais il connaît la science des limites. Lui. D'accord. Mais nous connaissons nous-mêmes qui connaissons le bon Dieu, nous connaissons bon Dieu lui-même, il est illimité. Mais en pile là, ça nous vient de nous voir que monde qui connaît la science, il presque dit pas le bon Dieu.
Est-ce que vous comprenez? Oui, ça veut dire que coronavirus là, et ça, c'est mon bon côté, pas mon prier, bon Dieu, que mon Dieu, quand même, monsieur, dame, intelligence, qui est dans le domaine scientifique, qui a une solution rapide que possible. Ça veut dire que côté mon amour en pile, tant que aux États-Unis, tant que l'Italie, tant que en France, tout le pays, quand mon amour en pile, tout à l'heure, ça va être suspendu, qu'il y a un contrôle, ça va être maintenant, laisse ça, mon Dieu, qui a retourné à bouger encore. Parce que je dis un temps pour le monde de la capable là. Okay. Mais nous-mêmes en Haïti, mais nous-mêmes en Haïti, nous les connaissons, nous avons l'État irresponsable. Mm-hmm. En premier lieu, l'obtention des dirigeants, bon, moi je ne vais pas juger, je ne vais pas condamner, parce que je vais avoir des informations, comme sous qui base pour cette décision, mais quand même, pas important pour nous aujourd'hui, nous-mêmes en Haïti, numéro un, d'abord merci bon Dieu que nous toujours dans l'état de prévention. Mmh. Et numéro deux, chaque Haïtien, on fait tout effort que nous sommes capables pour nous contre maladie ça. Mmh. Ça veut dire que l'État qui doit faire politique avec lui, ça c'est affaire l'État. L'État qui doit faire l'argent, il doit avoir 62 millions de dollars pour le bail. Yo dit des coronavirus, mais des gens qui disent pas gagner, c'est pas ça qui concerne moi-même. Ça concerne nous parler de gens contaminés, nous parler de gens partagés, va et vient, et nous parler de leur ça pour nous bien la mort. So, on fait le maximum de nous-mêmes pour nous suivre toutes consignes, surtout MSPP partagé avec nous, tout responsable médical pour nous protéger tête, parce que coronavirus réel. Mm-hmm. Dis réel. Ouais, ouais. Parce que tout pays aujourd'hui, où t'en es, 1000 moun ap mouri par jour, 2000 moun ap mouri par jour, 800 moun ap mouri par jour, c'est à 2, 3, 4 cas de commencer. Mm-hmm. Ouais. C'est fini de multiplier. Et surtout nous-mêmes, nous déjà qu'on est en Haïti, nous presque par un système sanitaire, nous presque par un hôpital, nous presque par un système santé. Parce que nous, les pays, nous devons comme Petro-Caribé pour faire des développements, mais nous déjà connaissons, ça, messieurs, dames, dirigeants, nous, fait avec comme ça. Ils viennent compte aujourd'hui, nous avons posé nos questions. Est-ce que nous avons l'hôpital? Est-ce que nous avons cours 24 sur 24? Le président Jovenel Moïse est promis, nous, mais dommage, nous ne savons pas ça. Pas de pays, pas de route, ça veut dire que, je me dis encore, pays, notre pays, pas dirigé, mais nous-mêmes, nous allons la pondre. Okay. Je dis, on fait appel avec tout Haïtien, l'Ile-Litran, pour nous mettre tête ensemble, pour nous mettre l'amour. Non, mais sans nous, Jean-Joseph nous dit, l'union fait la force. Okay. Bah, je connais sous chrétien, sous vaudouisant, sous quoi dans mon Dieu, sous pas quoi dans mon Dieu. Ce n'est pas ça qui est important pour nous. Ça qui est important pour nous, Haïti, c'est pour nous tout pire. Nous tout déplacer nous dans le pays. Bah, je connais sous noir, sous mulat, sous ça, sous pas ça. Nous okay. tous déplacés dans le pays, nous tous supposés mettre nous ensemble, mais les nous tablants, il faut nous connaître que tablant, c'est Haïti, c'est peuple haïtien. Ok, d'accord. Alors, nous cherchons une réponse aussi, j'en directement. Ça veut dire, sous 10 comme on tabaye, monsieur, actuellement là, sous gens que y a géré crise ça. Monsieur Anglade, Jean Doulan. L'homme dans l'État, il facile pour critiquer. Parce que même moi, je me critiquer parce que je suis un politicien. Parce d'accord. que, pas oublier, politiciens, j'ai l'intérêt que j'ai. Ça veut dire que, on va avoir un intérêt qui est primordial pour M. Dam comme dirigeant. Mais pas seulement, nous souhaitons que les gens fassent un plus meilleur travail pour sauver la vie de la population haïtienne en Haïti. Ok, d'accord. Alors, monsieur. Et nous-mêmes, les Haïtiens, pour nous faire tout ça en fait, pour nous laver les noms, pour nous suivre tout le consigne. Ok, d'accord. Alors, et nous prenons le fini. Est-ce qu'on a un dernier message pour Genèse à Captain Do et pour Diaspora à Captain Do en général? En général, monsieur Andrade, son réel petit que, et bien content d'inviter sur. C'est ton plaisir. Et m'a profité dit tout
n'importe journaliste qui t'a aimé entrer en contact avec moi, nous avons écrit sur Facebook, Pierre-Philippe Agnan, AGNANT, et numéro de téléphone, moi, WhatsApp, c'est 609-3455-4388, 609-3222-8126. Je dis un message par vous, peuple haïtien, qui peut vivre en Haïti, qui peut vivre dans la diaspora, en nous, quoi dans le pays nous. On nous croit en Haïti. La caille, c'est la caille. Je ne sais pas si aujourd'hui, on a un passeport américain ou un passeport français. Mais comment ça passe? Ou c'est Haïtien qui est Haïtien d'origine ou pas de l'autre pays? C'est Haïti qui paye nous tout. On croit dans le pays encore. On va à Haïti en dernier champ. Jeunesse, comme vivre en Haïti. Nous prenons bien dans nous. Qui pas qu'arrêter pour souffrance, donc qui pas qu'arrêter bataille. Si vous avez une opportunité pour aller à l'étranger, pour être préparé au meilleur demain, si vous avez une opportunité, ça, je ne vais pas jouer. Parce que moi, en 1984, j'ai eu une opportunité à l'États-Unis, que c'est que fait 23 ans. Après 23 ans, je suis retourné. Mais je dis, je suis un leader qui a construit un pays. Mais je dis, mais ça, je ne peux pas ici, mes amis. Bon Dieu, on va nous exemple après exemple. Coronavirus, je dis, on a détruit le monde droite à gauche. Pour moi, un message, bon Dieu, on va nous. Nous-mêmes, Haïtiens, on met ensemble pour Haïti, pour le peuple haïtien. Tout peuple, toute nation, il y a un problème. Pas eux. Pas de problème. Mais si nous-mêmes, nous ne pouvons pas mettre nous ensemble pour nous réfléchir. Pour un meilleur avenir pour le pays d'Haïti, nous prêter comme ça, un jour, nous disparaître, nous venons pas un pays que les Haïti encore. Mais la solution, c'est l'union fait la force. On met tête nous ensemble, on met l'amour en mettant nous. On nous croit dans bon Dieu, on nous croit dans tête nous, et on remet frère avec soeur nous. On ne pas nous faire fort en confiance, mais on nous fait une notre crédit. Trop méfiance dans la communauté haïtienne. Je ne pas connaître ou pas connaître, mais mon fort crédit, on fait un crédit. C'est un réel plaisir de avec nous à ce moment. Et je souhaite que, de jour en jour, nous tous pas reconnaître nouveau leader, ça, M. Pierre-Philippe Agnan. Et je tout profiter de partager avec nous que moi-même, moi, merci bon Dieu, moi, merci les ancêtres, nous, moi, merci tout le monde. Parce que mardi, si Dieu veut, moi, je célébrer. 50e anniversaire, moi. Ok, d'accord. Nous déjà jour et bonne fête. Merci, monsieur Anglade. Bon, j'ai tout mon exemple. Quand il est aujourd'hui, malgré 50 ans, et moi, je me considère comme un jeune. Ok, d'accord. Papa de Saline, papa de Saline, t'es mouru à 48 ans d'âge. Ça veut dire que, il te font sacrifice pour te battre nous liberté. Aujourd'hui, Haïti, quand on pays qui est malade, Haïti n'a pas dirigé. Nous ne pouvons pas avoir dirigeant, nous ne pouvons pas avoir leader pour diriger le pays. Hein. Mais nous gagnons le pays parce que nous sommes nous sans nous couler pour nous dans le pays. So, je dis, hein, on met tête nous ensemble pour petit nous pour nous quitter nos bagages derrière pour nous. Parce que Haïti a besoin de deuxième indépendance. Nous avons liberté physique, nous avons chaîne dans le pied. Mais nous avons besoin d'une indépendance économique. Monsieur Anglade, c'est un réel plaisir. Je souhaite que nous avons l'autre occasion encore. Même garde que moi-même, nous sommes disponibles. OK? OK, d'accord. Nous vous remercions en pile. Et une chose que m'apprécie dans vous, moi, ouais, que vraiment vous avez une passion pour le pays. Et si ça n'a pas cherché, c'est un espace côté jeune, ou bien n'importe qui tout réuni pour parler de Haïti, pour poser problème et puis chercher solution en même temps. Nous avons passion qu'on gagne et nous souhaitons bonne chance dans et tout ça que vous va entreprendre. Monsieur Anglade, je vais vous donner un message pour 45 secondes rapide. D'accord. Je vais dire que moi-même, je fondé une entreprise qui est l'Alliance internationale. L'entreprise, la raison que je fondais, c'est parce que après 12 ans en Haïti, mon village de jeunesse, je vois que le pays d'Haïti, pas de problème politique, vrai. C'est dit, je ne vois rien, mais c'est ma peuple, il n'y a pas de problème politique. Le problème que nous avons en Haïti, nous avons un problème économie. Nous avons un problème économie. C'est une raison de mettre
nous font des combats à l'année internationale, c'est côté que nous faisons recrutement des jeunes, nous faisons formation pour eux, nous montrons comment ils vendent, comment ils vendent des produits dans le système de réseau, comment ils mettent comme la poste. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas politiciens qui parlent de l'élection pour notre bail monde, 500 gouttes, 1000 gouttes, pour voter pour nous. Mais nous commençons depuis qu'on y est pour montrer aux jeunes comment ils mettent comme la poste. Parce que leur fait économie avec eux, vous montrez comment vous mettez 500 gouttes, 1000 gouttes de la portion, vous faites social avec eux. Et nous connaissons que dès que vous faites économie sociale, automatiquement, résultat politique attend nous. Monsieur Anglais, on réel plaisir. N'importe où vous allez, n'importe l'un, dans 609, 34, 75, 43, 88, 32, 22, 81, 26. Alors c'était un réel plaisir. Merci. Nous vous remercions, Pile. Merci. Merci, monsieur Anglais, on réel plaisir. Ok, bye.